Bonjour, bonjour à tous, les amis. Sparkle Show spécial extérieur. Sparkle Show ici en direct de mon jardin. On est ici en direct de Montréal. Aujourd'hui, bonne fête à tous les Québécois, puisque Montréal, c'est au Québec, Canada, Amérique du Nord. C'est aujourd'hui la fête du Québec. Alors, bonne fête à tous mes frères et mes sœurs et mes amis qui sont ici au Québec. Bonne fête du Québec. Donc, profitez-en, c'est un jour de repos. Personne ne travaille, sauf nous. Nous, c'est du 7 sur 7. Mais vous le savez, quand on est entrepreneur, qu'on vit de sa passion, qu'on est engagé à 110%, les jours de repos, ce n'est pas notre recherche principale. Pour nous, le samedi et le dimanche, eh bien, ça fait partie de la semaine. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié que le samedi et le dimanche, ça faisait partie de la semaine. Eh bien, c'est le cas. Alors, est-ce qu'il faut des moments pour se reposer? Bien évidemment, je plaisante. Aujourd'hui, coup de projecteur. On va se dire bonjour, on est en direct maintenant. C'est chouette de vous avoir. Partagez cette vidéo un maximum, maintenant ou en rediffusion. J'aimerais vous donner 8 compétences qui payent un maximum. Vous savez que ça, c'est dans un instant pour ce Sparkle Show. Je vous rappelle qu'on se retrouve ce vendredi, 14h heure de Montréal, 20h heure de Paris, dans une magnifique conférence en direct, conférence digitale, gratuite, 60 minutes en direct, 14h heure de Montréal. Un peu comme aujourd'hui, 20h heure de Paris. Je serai non pas chez moi, dans mon jardin, où j'ai le bonheur et le privilège d'avoir des arbres magnifiques centenaires dans mon jardin, dans le cœur de Montréal, c'est un privilège. Mais on sera dans les bureaux de Globe, dans les studios de production de Globe. Et pour cette conférence, la thématique, c'est comment rebondir, comment passer au niveau supérieur. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a deux catégories d'êtres humains en ce moment, notamment en Occident ou dans nos pays riches. 97% des gens regarde la parade passée, ils ne savent même pas qu'il y a une parade. C'est-à-dire qu'il y a la reprise économique, c'est maintenant, la fin du confinement, c'est maintenant. Est-ce qu'on en a fini avec cette crise mondiale? Non, mais 97% des gens ne se forment pas, ne mettent pas à jour leurs compétences, leurs outils, ne font pas de coaching, de formation et de mentorat pour apprendre, pour passer au niveau supérieur. Alors que la reprise, c'est maintenant, se lancer en affaires, développer son site de e-commerce en partant de zéro, embaucher ses premiers salariés ou redonner un souffle à son entreprise, développer de nouveaux produits. Et puis toutes les sciences du leadership, augmenter sa capacité à augmenter sa confiance, sa créativité, son pouvoir de décision, son estime de soi, c'est maintenant. 97% des gens en ce moment ne voient pas la parade. Et la parade, vous pouvez en faire partie, mais ils ne font que la regarder passer. Et puis, je dirais que ce sont souvent des gens qui après vont prendre beaucoup de temps, qui vont consacrer beaucoup d'énergie aussi. Et malheureusement, pas mal d'argent à du divertissement. Restaurant, télévision, football, course de Formule 1. Alors, de se détendre devant la télé, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas le moment de passer trop de temps dans le divertissement. Il n'est pas, c'est pas l'heure de mettre tout son argent dans autant de restaurants. Ce n'est pas l'heure en ce moment de dépenser autant. Le marché du luxe a repris à 60% de taux de croissance début avril en Europe. LVMH enregistre 60% d'augmentation des ventes début avril en Europe. Et c'est en ce moment qu'on doit mettre de l'argent de côté en soi. Arrêtez de donner de l'argent aux cordonniers. Quoique si tu as des chaussures trouées, arrêtez de donner de l'argent dans le milieu de l'horlogerie. 7e paire de chaussures alors que tu en as 6. Vêtements, téléphone, tablette numérique, restaurant, sortie, etc. On trouve qu'un concert, c'est normal de payer 300 euros pour être à la première place. Et on trouve qu'un livre, c'est trop cher. Et puis, il y a les 3%. Dans un instant, je vous donne les 8 compétences qui vont payer pour cette année. Écoutez bien, enfin en tout cas si vous voulez développer votre business ou votre carrière cette année. Il y a les 3% aussi. Bienvenue à tous dans ce Sparkle Show version extérieure si vous nous rejoignez maintenant. Qui je suis? Je vois des messages. Je suis Franck Nicolas, fondateur du programme de coaching Spark. C'est le programme de leadership et d'entrepreneurship numéro 1 dans la francophonie. C'est une formation qui dure 7 mois. Vous avez accès pendant 13 mois. Elle est en ligne et on referme les inscriptions le 5 juillet prochain. Lundi 5 juillet prochain, ce lundi 5 juillet prochain, terminé, les inscriptions sont terminées. C'est quoi le programme Spark? Je vous aide à booster votre carrière, à développer votre leadership,
à vous débarrasser de vos vieux démons psychologiques, de vos peurs, de vos freins. J'ai envie de réussir, mais je n'y arrive pas. Comment faire pour se débarrasser de tout cela? Comment retrouver cette confiance, cette énergie, cette niaque, cette motivation? Pendant 7 mois, je vous accompagne. Et pour celles et ceux qui veulent booster leur carrière, je vous dis comment changer de carrière. Je vous dis comment revaloriser votre carrière. Comment avoir cette confiance pour postuler à de nouveaux postes. Comment revoir quels sont vos talents. Et pour les entrepreneurs, pour celles et ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat, je vous aide dans Spark Premium et Spark Business à démarrer votre site internet, à ouvrir votre site de e-commerce en partant de zéro. Et Spark Business, troisième forfait de Spark, c'est aussi pour les entrepreneurs qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent embaucher. Comment embaucher? Comment attirer les hauts potentiels? Comment assurer une fidélité de ces équipes? Comment passer de 100 000 à 1 million ou à 5 ou 10 millions de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires? C'est ça le programme Spark. On ferme le 5 juillet. Laissez-moi être votre mentor pendant un an puisque le programme dure 7 mois. 7 modules. Le programme Spark, c'est 5 à 10 minutes par jour, des vidéos que vous regardez quand vous voulez. Et on commence le 6 juillet, je crois, ou la semaine d'après. Ça ferme le 5 juillet. Laissez-moi être votre mentor si vous voulez développer votre business, partir de zéro ou propulser votre business ou votre carrière ou votre confiance en vous. Laissez-moi vous accompagner pendant 7 mois, ne plus être seul, être créatif, ne plus abandonner et aller de l'avant. C'est le programme Spark, c'est l'équivalent d'un restaurant par mois. C'est donné, croyez-moi. Vous allez sur programmespark.com, programmespark.com. Prenez des infos, on ferme le 5 juillet. Faites partie d'aventure, faites partie de la parade. Parce que les 3%, justement, ils savent qu'il y a une parade. En clair, la reprise économique. Les 3%, ils arrêtent de donner de l'argent à d'autres commerçants. Ils se donnent de l'argent à eux-mêmes. Ils mettent des connaissances dans leur tête. Ils savent qu'ils sont le premier actif de leur vie, de leur entreprise. Si tu n'es pas motivé, si tu n'as plus envie de te battre, ça te coûte une fortune. Si vous pensez qu'un programme de coaching coûte de l'argent, de l'énergie, demandez-vous ce que ça vous coûte de ne pas avoir les bonnes informations. Demandez-vous ce que ça vous coûte financièrement de ramer depuis 1 an ou 6 mois ou 3 mois. Si vous galérez depuis plus de 3 mois, faites le programme Spark pour ne plus être dans cette situation. Si vous manquez de temps, prenez du temps pour apprendre à gérer votre temps. Si vous manquez d'énergie, apprenez à avoir de l'énergie. Si vous manquez d'argent, apprenez à gagner de l'argent. Et les 3% le savent. Les 3%, ils ne se mettent pas une fenêtre en disant « Oh, il y a une parade, c'est la reprise économique. Chouette, je vais regarder un match de foot. » Hein ? Mais regarder un match de foot ou de Formule 1 ou de tennis ou regarder un film sur Netflix, il n'y a aucun problème, évidemment. Il n'y a aucun problème. Mais attention, ça devient une habitude. Voilà comment, pendant 2 ans, mes amis, en tout cas depuis mars 2020, eh bien la plupart des gens n'y croient même plus, ont souffert de l'isolement. Physiquement, ils étaient contraints de rester chez eux. Et le résultat, c'est quoi? C'est que moralement, au lieu de se former, au lieu d'écrire un livre, au lieu de lire des choses inspirantes, ils ont passé du temps dans l'oisiveté, dans le divertissement, dans la télévision, dans les films, et sans jamais se coucher et bien dormir. Pourquoi? Parce qu'ils ont cessé la progression, parce qu'ils ont cessé d'y croire. Tout simplement parce que tu es contraint physiquement de rester chez toi, ils étaient castrés psychologiquement aussi. Le mot est fort. C'était l'enfermement psychologique. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun soutien. Alors quand vous me demandez si ça coûte cher un livre, je vous dis c'est donner un livre. Un programme de coaching, c'est offert. De vous mentorer pendant 1 an, c'est ce que tu veux pour plus jamais revivre cette situation et être seul. Mais ça demande un peu de temps, un peu d'énergie et un peu d'argent. La vie est une question de choix, pas de chance. Le salaire moyen par jour et par personne est de 3 dollars, 3 euros par jour. 3 dollars US exactement par jour. Si tu gagnes plus de 3 dollars par jour, tu fais partie des êtres humains les plus riches de la planète. Tu comprends? Et malgré tout, on continue de croire qu'il n'y a que dans nos pays qu'on crée une entreprise. On continue de croire qu'avec plus de 3 dollars par jour et par personne, on ne peut pas créer d'entreprise. Mais vous croyez que le monde vous a attendu? Vous croyez que dans les pays pauvres, on ne crée pas d'entreprise avec 2 pommes et 2 bananes qu'on vend sur un marché? Vous croyez que la plupart des gens sont des fils et des filles de milliardaires et de millionnaires? Pas du tout. Vous pensez que la plupart des gens minces sont des enfants de gens minces? Vous pensez que la plupart des gens qui ont de l'énergie sont des enfants d'hommes et de femmes qui avaient de l'énergie?
pensez que des gens qui aujourd'hui ont un niveau de compétence dans le e-marketing sont des fils de millionnaires en e-marketing ou en e-commerce? Mais pas du tout. La vie est un choix. Vous n'êtes comme moi. Je n'ai pas eu le choix de naître pauvre et issu de la classe populaire. Dans le sud-est de la France, à Avignon, dans le quartier de la Grange d'Aurel, un quartier défavorisé. Je n'ai pas demandé à mes parents, j'ai demandé à personne de naître, et j'ai demandé encore moins à naître dans ce quartier-là, où j'étais agressé au couteau, vous connaissez mon histoire. Victime de violences, de harcèlement, d'intimidation et d'agressions physiques et verbales. Ce que vous voyez ici, ça, c'est un coup de couteau que j'ai reçu pour parer un coup de couteau dans le ventre. Tout simplement parce qu'on voulait me prendre mon jogging et ma paire de baskets neuves. Ne croyez pas que c'est la faute de vos parents, si encore aujourd'hui vous n'avez pas suffisamment d'argent. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes né pauvre émotivement, énergiquement ou financièrement. Mais c'est de la vôtre si vous continuez de l'être. Et ce n'est qu'une question de choix. Beaucoup de gens qui pensent que c'est inutile de faire un programme Spark parce que finalement, ça ne sert à rien. Mais dans ton couple, il y a beaucoup d'erreurs que tu aurais pu éviter. Et quand tu deviens un bon leader au bout de 7 mois, tu sais qui choisir. Tu sais qui jamais plus ne faire rentrer dans ta vie. Faire rentrer la mauvaise personne dans ta vie, tu verras combien ça va te coûter. De ne pas avoir eu les connaissances pour mieux te connaître et mieux connaître les autres, programme Spark. Pour arrêter de faire les mêmes erreurs. Combien de gens souffrent en permanence ou continuent de souffrir parce qu'ils ont fait rentrer la mauvaise personne dans leur vie? Et tu crois que les connaissances, ça ne sert à rien? Ben, ça coûte une fortune de ne pas savoir gérer tes relations, de ne pas avoir confiance en toi, de vivre pour le regard des autres, d'être freiné par tes peurs et de, peut-être dans 10 ans, 20 ans, regretter ta propre vie, regretter tes choix où tu es bloqué aujourd'hui. Et j'entends tellement « j'ai envie de réussir, mais je n'y arrive pas. J'ai envie de me bouger les fesses, mais je n'y arrive pas. » Je suis cristallisé. Pour les entrepreneurs, montez une entreprise, créez une entreprise, mais n'attendez pas. Et j'entends, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'énergie ou je ne sais pas comment faire. C'est faux. Le programme Spark, il y a 3 memberships dans Spark. Dans Spark Premium, je pars de zéro. Je pars du principe que je pars de zéro dans Spark Premium. Et je crée mon entreprise avec vous, sur le digital, en e-commerce. Zéro connaissance technique, zéro connaissance relationnelle, zéro liste d'emails, zéro connaissance technique. Je pars de zéro et zéro argent. Et dans Spark, je vous dis comment faire. Pendant 7 mois, je vous aide. Pour celles et ceux qui veulent vivre de leur passion. Mais c'est un choix. Le programme Spark, il n'y a pas de secret. Ça commence à un investissement microscopique. C'est le prix d'un restaurant par mois, le programme Spark, pour commencer. Mais c'est une question de choix. Et les compétences que je vais vous donner aujourd'hui vont vous payer à vie. Mais là encore, c'est à vous de les développer. Je ne suis pas magicien, je ne suis pas gourou, je ne suis pas humoriste ou prestidigitateur. Je suis un expert international en leadership et entrepreneurship. Et le programme Spark, je suis votre mentor pendant 7 mois à vos côtés. Et c'est 5 à 10 minutes par jour le programme Spark. Et tous les lundis, vous avez du contenu. Et vous avez un support pédagogique, et vous regardez les vidéos quand vous le souhaitez, et vous pouvez régler en une fois ou en plusieurs fois. Mais c'est à vous de faire ce choix. Donc, je vais vous donner maintenant, dans le cadre de ce programme, de ce Sparkle Show spécial Jardin Franck Nicolas, et avant la fermeture du programme Spark, je vous annonce que c'est le 5 juillet. 5 juillet. 5 juillet. Ne me dites pas, c'est 5 juillet, d'accord? Ok, allez, la première des choses avant que je... Puisque je suis en direct maintenant, c'est chouette avec mon téléphone dans mon jardin. Je trouve ça assez sympa de faire ce Sparkle Show avec vous. Dites-moi aujourd'hui, quels sont vos défis? Quel est votre principal défi? Et on va partir de là pour ce Sparkle Show spécial selfie, spécial direct, le Jardin de Franck. En direct de Montréal. On est en direct maintenant, je ne fais pas un show devant vous, c'est un partage, c'est une discussion. J'offre 500 heures d'inspiration à l'année, ce n'est pas une formation que je vous fais aujourd'hui, c'est du partage, c'est de l'inspiration. Le programme Spark,
c'est une formation. Si vous voulez savoir la différence qu'il y a entre les vidéos YouTube, Instagram, Story, YouTube, LinkedIn, Facebook, c'est que je vous envoie plein d'énergie et je vous propose des vidéos courtes et quelques outils. Mais si vous voulez une vraie méthode d'accompagnement, venez dans Spark, laissez-moi être votre mentor. Pas menteur, hein. Je vous fais confiance pour vous mentir, pour ne pas venir dans Spark. J'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai pas d'énergie, et j'ai peur. Et ça marche. Vous allez trouver plein de créativité quand on ne veut pas se bouger les fesses et réussir dans la vie. Quand on ne veut pas être positif, on trouve toutes les solutions. Et on est créatif. Pas envers moi, mais pour vous-même. Vous comprenez? Donc, quels sont vos défis? Trouver des clients, génial. Premier défi. Qui est-ce qui a dit ça? Mon premier défi, on est en direct maintenant de Montréal, c'est Marie qui me dit, mon premier défi, c'est trouver des clients. Donc Spark Business, tu as plusieurs mois du programme 110 qui est offert. Comment vendre? Quelles sont les techniques de vente les meilleures? Je te forme à la vente dans Spark Business. Et dans Spark Premium, tu as deux mois de formation en vente offerte aussi. Conserver mon mental de gladiateur. Cathy, je te recommande pour cela Spark, ça va t'aider aussi pour le mental de gladiateur. Le programme, évidemment, le programme Spark commence le 12 juillet, mais les inscriptions s'arrêtent le 5 juillet. Merci du feedback, mais fin des inscriptions le 5 juillet. Ensuite, on s'occupe de nos étudiants. Mariam, le premier défi, c'est de perdre 30 kilos. Mariam Serrant, si tu m'écoutes, tu veux rentrer dans le programme Spark parce qu'en Spark, même quel que soit le membership de Spark, tu as des nutritionnistes, des médecins qui te conseillent et même des experts en alimentation vivante pour perdre du poids. Donc, si tu veux perdre du poids, tout le parcours d'énergie dans Spark est offert à tous les niveaux pendant 7 mois. Tu auras des médecins comme le docteur Luc Bessette de Montréal, expert en alimentation, en anti-aging. C'est 300$ la consultation. Tu l'as avec toi pendant 7 mois gratuitement. Quels sont vos défis en ce moment? L'argent, le mental, le lien. Oui, bien sûr, je vous envoie le lien. Je ne sais pas comment mettre le lien. Ah si, voilà, ça y est. Donc, je vous envoie le lien du programme Spark. Regardez ici, boum, boum, boum. Je vous envoie ça maintenant. Pour celles et ceux qui veulent que je sois leur mentor pendant 7 mois, vous avez accès 13 mois au programme Spark. Le programme dure 7 mois, mais je vous laisse 13 mois pour le voir et le revoir et le revoir, d'accord? Et en plus, vous rejoignez une communauté internationale de tous les Sparkers, toutes les promotions depuis 2013. Ils sont issus de plus de 70 pays dans le monde et vous ne serez plus seul. Donc, je vous mets le lien du programme Spark. Fermeture des inscriptions 5 juillet. D'accord? Donc, j'ai compris vos défis. J'ai entendu mental psychologie. C'est le premier module du programme Spark. Et je vous dis comment avoir ce mental pendant 7 mois. Je vous accompagne et je vous aide à vous booster en permanence. Et je vous donne des méthodes en psychologie cognitive et comportementale. J'ai entendu argent dans vos défis. Dites-moi si je me trompe. Je vois les relations. J'ai entendu aussi, je veux créer mon entreprise, je ne sais pas comment faire. J'ai lu aussi, je veux être meilleur qu'hier. J'ai entendu aussi, je veux savoir comment vendre, comment trouver mes meilleurs clients. Comment vendre mes vêtements, comment vendre mes services. Quels sont vos défis? On en parle en ce moment. Voilà. Mon défi, c'est l'argent. Alors défi, c'est l'argent, c'est-à-dire qu'on a Amy qui me dit, moi j'ai de l'argent. Qui est la principale problématique. C'est-à-dire que l'argent, c'est comme l'énergie. Écoute bien, c'est Amy Boss qui dit ça. C'est un message spécial pour toi, ma chérie. J'ai des clients qui sont dans le programme Spark qui sont issus du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Cameroun, des pays les plus pauvres au monde. Et ils sont dans Spark. Et à la fin de Spark, ils n'avaient plus de problème d'argent dans leur pays, la plupart d'entre eux, parce qu'ils ont travaillé fort. Mais ils ont investi du temps et de l'énergie et un peu d'argent. Donc, ce n'est pas une question de pays dans le monde, l'argent. C'est une question de compréhension. Alors, c'est un petit bonus que je vous donne dans ce Spark, le show spécial Jardin de Franck. L'argent, retenez ceci, c'est comme l'énergie. L'énergie, plus tu vas investir de l'énergie et plus tu vas avoir de l'énergie. Un exemple, si tu ne bouges pas tes fesses, dans le confinement, il y a des gens qui n'ont pas fait de sport chez eux.
leur résultat en termes de santé est catastrophique. Et vous le savez très bien. Et ils vont vous dire, dans l'année, ils vont vous dire, j'ai pas le temps de faire du sport parce que je perds trop de temps dans les transports en commun. C'est trop cher, c'est trop loin, j'ai mes trop boulot dodo, j'ai pas le temps. Mais pendant le confinement, il ne fallait pas aller au travail. Ils avaient du temps. Et là, ils vont vous dire, oui, mais je n'étais pas motivé. Oui, mais je ne savais pas comment. Il n'y a pas d'excuse valable. Quand tu n'as pas le mental, tu es grillé. Le plus important, c'est ta psychologie. Et c'est la dernière des choses dans laquelle vous allez demander un soutien. Sauf quand vous êtes en burn-out ou en déprime complète. Et là, vous payez des médicaments pour le médecin. Vous allez voir un psychiatre. Alors que tout ça peut être évité. Vous comprenez? Il faut entretenir votre mental et votre corps toute l'année. C'est ce qu'il y a de plus important. Et ironiquement, les gens ne veulent pas passer du temps, de l'énergie et mettre un peu d'argent dans leur tête et dans leur corps pour en prendre soin. Ils préfèrent acheter la dernière paire de chaussures, Louboutin ou la ceinture Gucci. C'est tellement plus valorisant d'acheter quelque chose immédiatement sans faire aucun effort. Ou de perdre du temps avec des gens qui ne leur apportent rien et qui les auront oubliés 6 mois plus tard. Ou qui, dans les galères, ne vous aideront jamais. Mais on met de l'argent au restaurant avec eux. Simplement pour avoir de l'amour. Quand j'achète un sac Chanel ou Gucci ou Vuitton, je n'achète pas un sac. J'achète de l'amour. J'achète de la reconnaissance. J'achète de l'appartenance, je ressemble à cette personne sur les campagnes de communication. Je fais partie de ce groupe important VIP. Je suis une personne grâce à ce sac à main, grâce à cette BMW, grâce à ce téléphone d'un écrit, grâce à cette nouvelle paire de chaussures. On me regarde. Je refuse de payer le prix de l'effort aujourd'hui de me former, de renforcer mon mental, de faire attention à mon alimentation et de savoir comment faire. Je refuse de payer le prix aujourd'hui pour payer tous les prix plus tard. Je veux du plaisir immédiat. Vous comprenez? Et c'est ça la problématique de la plupart des gens. Sinon, ce direct serait vu par 350 millions de francophones. Nous ne savons pas comment renforcer notre leadership et comment affronter notre manque de force, de confiance en nous. La plupart des gens ont un problème d'estime neuve. Est-ce que vous savez que 90% ou même presque 90% des femmes refusent de se regarder nues dans un miroir. Les hommes un peu plus. Pourquoi? C'est la tyrannie extérieure. La plupart des femmes n'aiment pas leur corps. Pourquoi? La tyrannie de ce monde dans lequel on vit. Et les hommes ont d'autres problèmes. Demandez aux adolescents. Vous savez pourquoi? Là encore, la plupart des gens qui n'ont pas suivi de formation au leadership comme Spark, qui va vous faire gagner de l'argent et du temps, croyez-moi, et de la confiance. Les gens vont chercher leur estime d'eux auprès du regard des autres. Je vais vous expliquer quelque chose. Comment vous dire? Retenez ceci. L'estime de soi est une question de soi. On dit pas estime des autres en parlant de soi. L'estime de soi, c'est à propos de moi. Donc c'est de l'intérieur. L'estime de moi, c'est de moi avec moi. L'estime de moi, c'est de moi qui aime moi. Et vous savez ce que font la plupart des gens? L'estime de moi, pour eux, c'est égal à regard des autres. Estime de moi, c'est s'obtient par le regard des autres. L'estime de moi, parce qu'ils ne savent pas comment chercher dans le moi, automatiquement, ils vont le chercher dans l'autre. Et comment avoir de l'estime de soi dans le regard des autres? En achetant des choses, en achetant de l'amour, en faisant des choses qu'on n'aime pas faire, en se rejetant soi-même parce qu'on a eu le mauvais regard d'autres. Mais si vous cherchez l'estime de vous-même dans le regard des autres, vous ne serez jamais heureux ou heureuse. Vous ne pourrez pas créer votre entreprise. Moi, j'ai beaucoup de vendeurs qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes ou des entrepreneurs qui crèvent la faim. J'ai le dernier exemple de coach que je forme, de coach dans plein de domaines, qui sont des très bons coachs, mais ils crèvent la dalle, ils crèvent la faim. Pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas se vendre, parce qu'ils ne savent pas se vendre, parce qu'ils refusent le rejet.
Ou parce qu'ils ont un ego gonflé, démesuré, où ils se disent, je ne vais pas me rabaisser à vendre, la vente c'est mauvais, il y a plein d'idées reçues. Rapport à l'estime de soi. L'estime de soi, les amis, retenez ceci, c'est très important. L'estime de soi, c'est regarder dans un miroir. L'estime de soi, c'est regarder dans un miroir. Pour se voir soi-même. Moi, entrepreneur, moi, leader, moi, vendeur. Moi, père ou mère de famille, moi, enfant ou fils, fille ou fils, frère ou sœur, oncle ou tante, c'est moi avec moi. L'estime de soi pour l'avoir, c'est un miroir chez toi. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne peut même pas se voir nu devant un miroir parce qu'on se déteste? Et tu sais pourquoi tu te détestes? Parce que tu ne comptes que sur le regard des autres pour savoir qui tu es toi-même. La plupart des gens commettent cette erreur de demander aux autres qui ils sont vraiment eux-mêmes de l'intérieur. Mais personne ne sait sauf toi qui tu es. Quelle est ta vraie valeur? Et tout ce qu'ils prennent pour argent comptant, c'est le jugement des autres. Et vous savez quoi? Les autres ont le même problème de manque d'estime d'eux-mêmes. Et comme ils sont mal dans leur peau, on les appelle les mâles. Comme ils sont mal dans leur peau, il faut qu'ils se déchargent sur les autres. C'est mal. Et quand tu es mal dans ta peau, tu t'en prends aux autres. Quand tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas les autres. Quand tu es mal dans ta peau, tu rejettes les autres. Quand tu es mal dans ta peau, tu juges les autres. Et tu sais quelle est la meilleure façon de juger les autres? Tu sais quels mots tu utilises pour juger les autres? Tu sais quelles phrases, quelles actions, quels gestes violents tu vas faire envers les autres? Parce que ça ne s'apprend pas à la naissance, ce n'est pas induit de savoir comment rejeter les autres. Comment rabaisser les autres? Comment intimider les autres? Tu sais comment tu vas faire quand tu ne seras pas bien pour rabaisser les autres? Eh bien, tu vas simplement reproduire ce qu'on t'a infligé à toi-même. Si on t'a traité d'imbécile, c'est la première des choses que tu diras aux autres lorsque tu seras en faible énergie et mal dans ta peau. Lorsqu'on t'a traité de quelque chose à répétition, eh bien, lorsque tu seras mal, c'est exactement ce que tu vas reproduire auprès des autres qui comptaient peut-être sur ton regard pour avoir un sourire ce jour-là. Et c'est un cercle vicieux. Et après, vous me dites que le programme Spark ne sert à rien. Ça vous coûte une fortune de ne pas savoir comment augmenter votre estime de vous-même, comment développer votre leadership en équipe, comment devenir un manager, comment augmenter vos compétences, comment développer votre carrière, votre plein potentiel. Comment créer votre entreprise alors qu'on est dans un rebond économique en ce moment? Comment faire partie de la parade et pas juste regarder la parade passer devant chez nous? En plein déconfinement, et c'est le moment de le faire. Mais non, d'acheter un livre, c'est trop cher. C'est ce que vous coûte l'estime de vous-même. Je ne fais pas ce métier depuis une heure. Je ne suis pas un blogueur amateur. J'offre mon contenu gratuit à hauteur de 500 heures par année pour vous inspirer et vous engager à acheter un livre ou aller voir quelques formations que ce soit. Et si c'est avec nous, tant mieux. Si c'est avec nous et dans le programme Spark, je vous le souhaite. Parce que j'accompagne des dizaines de milliers d'entrepreneurs chaque année depuis 25 ans. Pas depuis 3 semaines. C'est ce que je fais pour vivre, c'est mon métier. Je suis l'expert en leadership et entrepreneurship numéro 1 mondial et numéro 1 dans la francophonie et numéro 3 dans le monde. Allez sur YouTube si vous ne me connaissez pas. Allez sur YouTube si vous ne me connaissez pas. Et écrivez ça dans le moteur de recherche de YouTube. Tapez tourner 110, tourner un E, on est d'accord, hein. Tapez tournée 110 2019. Je suis le seul dans la francophonie et le troisième mondial, à réunir plus de 7 à 10 000 personnes dans une salle de la taille de 2 à 3 terrains de football. Tournée 110 avant le confinement, tournée 110 octobre 2019, Parc Expo, là où se situe le salon de l'agriculture à Paris, la taille de 2 terrains de football. Porte de Versailles, 7000 leaders et entrepreneurs. C'est 30 minutes, c'est offert. Allez voir notre modeste travail depuis 25 ans. Tout le monde accompagne 7000 personnes dans une salle, dans une conférence, dans un séminaire de 3 jours aussi. Tout le monde est auteur best-seller d'audio de programme pour leaders entrepreneurs. Tout le monde est numéro 1, sauf que nous, c'est notre modeste travail et c'est vrai. Donc je ne vous dis pas ça parce que je suis un blogueur amateur qui veut vous inspirer aujourd'hui parce qu'il ne sait pas quoi faire en ce jour férié au Québec. C'est parce que c'est ma mission, c'est mon métier et c'est mon expertise. Et parce que mes entreprises génèrent des dizaines de millions de dollars chaque année, ça ne m'empêche pas d'avoir un grand cœur et d'être généreux et d'être toujours aussi passionné, parce que c'est ce que j'aime.
et c'est ce que j'enseigne. Donc si c'est la vie que vous voulez avoir, d'être passionné, de vivre de votre passion, de faire la différence auprès des autres, de vivre votre vie sans penser aux autres, sans avoir de problème d'estime de soi, de problème de leadership, démarrer votre entreprise de zéro, ou peut-être suivre mon propre parcours, eh bien laissez-moi vous aider pendant 7 mois dans le programme Spark, laissez-moi vous aider. Mais oui, ça demande un peu de temps, 5 à 10 minutes par jour. Oui, ça demande un peu d'énergie, absolument. Mais vous aurez des experts et des amis que j'ai dans ce programme hors de prix. Vous aurez par exemple le philosophe francophone numéro 1 au monde aujourd'hui. Il s'appelle Frédéric Lenoir, il est dans Spark. Vous aurez des médecins, vous aurez des nutritionnistes, vous aurez le chanteur et l'entrepreneur Corneille que vous connaissez tous. Tout le monde est dans ce programme Spark pour vous aider, vous accompagner avec des entrevues, vous regardez quand vous voulez. Mais oui, ça demande un petit peu d'investissement. Il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais qu'est-ce que tu as comme conseil à donner dans tes relations ?» Mais je sauve des milliers de couples chaque année. Et je coach des gens directs dans le programme Spark, dans le Weekend Spark. Et en Spark Premium et Spark Business, je vous offre un billet pour le Weekend Spark qui sera virtuel ou présentiel, j'en sais rien encore, on verra bien, selon la pandémie. Mais moi-même, j'applique ces outils dans mon couple. Je suis marié avec la même femme depuis 21 ans. Je suis avec elle depuis 23 ans, c'est mon unique femme. J'ai deux enfants, deux adolescents, et croyez-moi, ce n'est pas une sinécure les adolescents. J'applique tout ce que je vous dis dans mes entreprises. Je suis propriétaire majoritaire de plus de 10 entreprises, actionnaire d'une trentaine d'autres, principal actionnaire mais pas majoritaire. Je sais de quoi je parle quand je parle de partir de zéro. Mais si ce n'est pas l'argent qui vous intéresse, Spark Leadership, le premier membership, le niveau 1, vous allez vous régaler. Donc voilà, c'était pour répondre à vos conseils, à vos questions sur vos défis. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous mettez un peu des stratégies, choisissez le bon mentor, même si ce n'est pas moi, qui vous inspire, qui l'a fait avant vous. C'est bien les gens qui vous coachent, mais est-ce qu'ils l'ont fait avant vous? C'est quoi tes résultats? Demandez les résultats à votre coach. Ne demandez pas à gagner votre premier million, vos premiers 10 millions, si le coach n'a pas été capable de le faire. Niet. Impossible. Un coach obèse qui te dit comment perdre du poids, ça ne fonctionne pas dans ma stratégie. Donc j'aimerais aujourd'hui vous donner, et si vous voulez des détails sur le programme Spark, eh bien je crois que j'ai ancré le programme Spark tout à l'heure, mais je ne le vois peut-être pas. Donc je vais vous donner partager cette vidéo parce que peut-être que ce que j'ai dit sur l'estime de soi, peut-être que le coup de pied aux fesses que je vous donne aujourd'hui, peut-être que ce direct peut être une claque pour vous, une claque psychologique, et peut-être aussi que vous n'êtes pas là par hasard et que vous en avez besoin. Donc partagez ce direct, il est gratuit. Et ce que je vous dis maintenant peut aider beaucoup de gens. Donc partagez ce direct, mettez-moi des commentaires, donnez-moi un peu d'amour, mettez-moi des likes. Et puis je vais vous donner maintenant les 8 compétences qui vont payer pour le reste de votre vie. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la motivation et ce n'est pas nébuleux. Prenez un papier et un crayon, je vais aller très vite. Je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà inscrits dans Spark. Faites vite, 5 juillet, je vous rappelle. 5 juillet. Ok. Et puis, j'ai marqué tout à l'heure en lien programmespark.com, mais je ne sais pas où est passé le lien qui t'ancrait. Je suis incapable. Là, je suis dans mon jardin, donc je n'ai aucun retour. Mes employés aujourd'hui ne travaillent pas, puisque c'est un jour férié au Canada. Moi, si vous me demandez si je travaille 7 jours sur 7. Vous savez quoi? Parce que j'en ai pas fait un travail, j'en ai fait une passion. D'aider les autres, d'accompagner des hommes et des femmes, c'est ma passion. Ce n'est pas juste un job, une jobinette. Je ne suis pas comme ces PVT ici qui viennent au Canada en permis vacances. Et c'est les dernières personnes que vous devez embaucher, je peux vous le dire. Je suis maintenant contre les PVT. En général, même si vous pouvez trouver des gens très très bien, mais quand vous êtes entrepreneur à l'étranger, je ne recommande pas en premier choix d'embaucher des permis vacances-travail. On a affaire à des gens de passage qui veulent souvent leur visa ou qui sont vraiment là pour des permis vacances-vacances. J'ai essayé pendant 10 ans de leur donner leur choix, de leur donner leur chance. Ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est des conseils comme ça que je vais vous donner dans tous mes programmes. Je vous parle au quotidien, je ne suis pas un formateur, je ne suis pas un présentateur télé. Tout ce que je vous donne, c'est du concret, c'est du cru, c'est du direct et ça vous aide tout de suite. Cliquez sur le lien ici,
programmespark.com si vous voulez me rejoindre dans une formation qui fait du sens, qui est direct, pas de blabla, pas de politiquement correct, straight to the point. Franck Nicolas, ici, regardez bien, programmespark.com. Je suis numéro 1 en leadership et entrepreneurship et je vais t'aider si tu me permets d'être ton mentor pendant 7 mois. 7 mois à tes côtés et je te laisse accès à toutes les connaissances pendant 13 mois. Alors voici donc les 8 outils, 8 compétences. La première compétence, c'est la première compétence que vous devez aujourd'hui avoir dans votre capacité à passer au niveau supérieur. Vous devez apprendre à vous vendre. La première compétence. Et vous devez apprendre à vous vendre professionnellement. Vous savez déjà vous vendre. Un enfant sait vendre. Maman, 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 je veux cette crème glacée. Maman, 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 je veux ce gâteau, je veux ce cookie, je veux cette glace. Maintenant. Non, tu sais, chérie, maman, s'il te plaît, c'est mon anniversaire, c'est ma fête, c'est jour férié. Aujourd'hui, on ne sait jamais, on peut avoir un cataplice. Et si je meurs un jour ? Ok, d'accord, prends-la ta glace. On sait vendre de façon personnelle. On sait vendre pour... Allez, on va au restaurant portugais ce soir. Non, je préférais le restaurant italien. Non, le portugais c'est génial parce qu'il y a ça, il y a ça. En plus, on peut se garer facilement, l'entrée elle est gratuite. Hein. Vous faites quoi ? Vous faites de la vente. Quand vous postulez à un entretien d'embauche, qu'est-ce que vous faites ? De la vente. Et la plupart d'entre vous, vous ne savez pas vous vendre. Qu'est-ce qu'on va voir dans le programme Spark ? On va vous apprendre à avoir du leadership, de la confiance en vous, à être créatif, à ne jamais abandonner, à connaître vos talents, vos atouts, à déléguer ce qui ne va pas, à affronter vos peurs du rejet, le peur du regard des autres. Et en clair, qu'est-ce que ça va vous permettre ? De mieux vous vendre, notamment dans votre quotidien pour les salariés. Et là, je ne parle que des employés. Je pourrais aussi vous parler des entrepreneurs qui ont des employés. Comment vendre pour avoir les meilleurs recrues, pour les embaucher dans votre équipe ? Quand vous n'avez pas d'entreprise, vous ne savez pas à quel point c'est difficile d'embaucher les bonnes personnes. Mais quand on veut travailler aujourd'hui, les entrepreneurs comme moi, on a du mal à trouver des employés qualifiés. On a du mal. Parce que la plupart des gens, et c'est vrai, préfèrent ne pas travailler. Au Québec, en ce moment, il y a une aide sociale encore, spéciale situation en ce moment. Ben, il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas travailler parce qu'ils gagnent plus d'argent avec leur aide. C'est la réalité, mes amis. Ouvrez les yeux et c'est tabou. Et pareil pour la France, la Suisse et Belgique. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Il y a plein de gens qui ne veulent pas travailler ou qui ne cherchent pas à se casser les fesses pour travailler. Quand tu es entrepreneur, c'est dur d'embaucher et je te dis comment faire. Et en plus, comment garder les hauts potentiels. Mais on a toujours besoin de se vendre. Et là, évidemment, je parle de beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs. Mais je vous le dis, les amis, et je vous le dis maintenant, faites en sorte, plus que jamais, d'apprendre à vendre. Et après, pour les entrepreneurs, à vendre vos produits, vos services, tu ne sais pas vendre, tu vas crever la dalle. Donc, la compétence qui paye pour le reste de votre vie, c'est la vente. Et ça commence par cette confiance en soi, ce leadership, savoir qui vous êtes et avancer, ne pas avoir peur du rejet. C'est ça la vente, c'est d'arrêter d'avoir peur du rejet sur la partie psychologique. Et ensuite, et ça vous l'aurez dans le forfait numéro 2 de Spark Premium, et ensuite de Spark Business, je vous offre plusieurs mois de formation en vente. Et c'est offert dans Spark Premium, le membership numéro 2, et plus de 4 mois de formation en vente dans Spark Business. Il y a tous les outils. Et je vous dis comment je génère des dizaines de millions d'euros chaque année. Rassurez-vous, je n'escroque personne. Je partage mes connaissances et mes clients me recommandent. Mais mes étudiants, ils ont des diplômes à la fin de chaque formation. À la fin de Spark, tu auras un diplôme de réussite, tu auras une attestation de formation. Dans chacun de mes directs, il y a toujours quelqu'un qui a fait le programme Spark. Lisez les commentaires. Il y a toujours quelqu'un qui a été diplômé du programme Spark depuis 2013, ça existe. Ce n'est pas nouveau ce programme. Donc première compétence, ça va tout le monde la noter, apprenez à vous vendre. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des petits j'aime, sinon j'arrête ce direct.
Aujourd'hui, c'est jour férié. Je vous rappelle que mes équipes se reposent aujourd'hui et moi, je me repose en travaillant avec vous. Donc, j'ai besoin d'encouragement. Partagez cette vidéo. Je vous donne des très beaux conseils, je pense, aujourd'hui. Et ça ne vous coûte pas grand-chose. Partagez cette vidéo. Mettez des petits cœurs. Mettez-moi des petits cœurs. Mettez-moi des petits cœurs. Mettez-moi des petits pouces. Moi, je suis un garçon, je ne mets pas des cœurs. Mettez-moi des pouces ou des petits cœurs. Les garçons, mettez des pouces. Des petits cœurs, les filles. Voilà, super. La deuxième compétence qui marche, qui est importante. La première compétence, évidemment, c'est d'apprendre à se vendre et d'apprendre à vendre son produit ou ses services. C'est bien d'avoir des compétences dans votre métier, mais si vous ne... C'est bien d'avoir un savoir-faire. C'est très bien d'avoir un savoir-faire. C'est parfait le savoir-faire. Mais c'est encore mieux de faire savoir. Ça s'appelle la vente et le marketing. OK ? Deuxième compétence qui paye à vie. Deuxième compétence à vie. Avoir confiance en soi. Nathalie qui me dit « Vous êtes génial, je vous aime moi aussi. » La deuxième compétence, la numéro 2, c'est d'avoir confiance en soi. Si vous perdez confiance en vous, tout s'arrête. Si vous perdez confiance en vous, tout s'arrête. Je répète une troisième fois. Si tu perds confiance en toi, tout s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement ? Perte complète de confiance de la plupart des gens. Perte de confiance à retrouver un travail. Perte de confiance à rebondir. Perte de confiance de changer de travail. Perte de confiance de créer une entreprise. Perte de confiance en l'avenir. Vous savez ce qui m'a choqué ? C'est que 30% des moins de 18 ans déprimés pendant ce confinement. 30%, dont une partie, 14%, avait des idées suicidaires. Vous comprenez pourquoi je vous parle de la deuxième compétence essentielle à avoir ? C'est avoir confiance en soi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ne perdez pas cette confiance. Et si vous ne savez pas comment avoir confiance en vous, sur le plan de votre business, de vos ventes, de votre carrière, ou même de votre couple, ou de vous-même avec vous-même, investissez un peu de temps, un peu d'énergie et un peu d'argent à vous former. Ne me dites pas qu'un livre ou qu'une formation, c'est cher. Ça ne coûte rien. Ce qui vous coûte, c'est de rester comme vous l'êtes maintenant dans l'ignorance. Si vous pensez que la connaissance est chère, essayez l'ignorance. Vous allez payer le jackpot. Parce que quand on est dans sa tête à gamberger, tout s'arrête. Écrivez-le s'il vous plaît, hashtag Franck Nicolas. Écrivez-le dans les commentaires. Si vous êtes avec moi, si vous voulez que je continue, écrivez-le, ça va vous aider. Hashtag Franck Nicolas, quand je suis dans ma tête, tout s'arrête. Écrivez-le. Quand je suis dans ma tête, tout s'arrête. Et mesdames en connaissent un rayon. Un gars, il regarde le match de télé, la terre s'arrête. Le gars, il arrive, il rentre le soir du travail, il regarde un match de foot à la télé, la Formule 1 ou un Netflix, tout s'arrête. Une femme n'arrête jamais de gamberger. Une femme n'arrête jamais de laisser tourner dans la tête. Un homme, il est capable de déconnecter avec un film, pas une femme. Mais l'homme, c'est des fois pire qu'une femme, parce qu'il feint que tout aille bien. L'homme se ment souvent à lui-même. Lisez le livre XY d'Elisabeth Badinter qui vous explique que c'est très dur d'être un homme. Parce qu'un homme, il doit se prouver chaque matin d'être un homme. Et notamment dans les sociétés patriarcales. Un peu moins au Québec où c'est les sociétés matriarcales, c'est les femmes qui mènent souvent. Ce qui ne veut pas dire qu'en Europe, les femmes n'ont pas de tempérament, pas du tout. Mais pensez à cela. Écrivez-le. Quand je suis dans ma tête, tout s'arrête. Quand je suis dans ma tête, tout s'arrête. Quand je suis dans ma tête, tout s'arrête. Et dans le programme Spark, on va arrêter de faire tourner le hamster. On va arrêter cela. Et je vais vous dire comment faire. Laissez-moi vous aider pendant 7 mois à vos côtés. Vous ne serez plus seul. Donc, parmi les 8 compétences qui payent à vie, 8 compétences. Première compétence, savoir vendre. Savoir se vendre et savoir vendre des produits et des services. Première compétence, savoir se vendre. Première compétence, savoir vendre. Première compétence, savoir vendre.
ça paye à vie. Et dans Spark Premium et dans Spark Business, les deux autres memberships de Spark, le programme Spark dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez le lien ici ancré et épinglé. Je vous dis, je vous offre des formations sur la vente de 2 mois en premium et de 4 mois que sur la vente intensive dans Spark Business. Deuxième compétence, la confiance en soi. Démerdez-vous comme vous voulez. Moi, je vous aide dans Spark. Pendant 7 mois, je vais booster votre confiance en vous et vous serez inarrêtable. Vous aurez un mental de gladiateur ou des gladiatrices. Mais rappelez-vous, quand je suis dans ma tête, tout s'arrête. Première compétence, savoir vendre. Deuxième compétence, la confiance. Troisième compétence. Savoir pratiquer l'écoute active. Troisième compétence, l'écoute active. Sachez écouter. Leader, entrepreneur, tu veux diriger des équipes? Tu veux être manager dans ton équipe? Écoutez. Tu veux réussir dans ton couple? Écoutez. Activement. Pas juste entendre, écoutez. Pas juste entendre, écoutez. Troisième compétence, écoutez. 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 Troisième compétence, écoutez. Quand tu es un vendeur et que tu ne sais pas, que tu ne maîtrises pas cette compétence, tu rates tes ventes. Tu ne gagneras pas d'argent et tu ne seras pas heureux dans ton travail si tu ne sais pas. Écoutez. Je n'ai pas parlé d'entendre, j'ai parlé d'écouter. Troisième compétence dans votre vie de leader, d'entrepreneur, de papa, de maman, savoir écouter. Savoir écouter. Quatrième compétence essentielle. 1, savoir vendre. 2, avoir confiance. 3, l'écoute active. 4, connaître votre vrai vous. 4e compétence, savoir qui je suis vraiment. Savoir se connaître vraiment. Savoir qui je suis vraiment. 4e compétence qui sera payante toute votre vie. C'est savoir qui je suis vraiment. 4e compétence, savoir qui je suis vraiment. Savoir qui je suis vraiment. C'est la 4e compétence. Bonjour les amis, bonjour Nathalie, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment. On est en direct ici de Montréal. Je suis Franck Nicolas, auteur best-seller, fondateur du programme Spark. Le programme Spark, c'est une fois par an, c'est maintenant, c'est un programme où j'accompagne qu'une fois par an, c'est les inscriptions universitaires en ce moment. Une fois par an, je lance le programme Spark, on ferme ce programme de coaching dans quelques jours, le 5 juillet prochain, et on fait ce Sparkle Show spécial jardin en ce jour de congé, en ce jour de férié au Canada. Voilà. Donc, numéro 4, vous avez compris, c'est génial. Numéro 5, cinquième compétence qui est payante. Cinquième compétence. Et pour ceux qui nous rejoignent, j'ai épinglé ici l'accès pour vous inscrire au programme Spark. Vous avez 3 memberships. Je vais répondre à vos questions à la fin de ce Sparkle Show spécial extérieur. Toutes les questions que vous avez sur ce programme, j'y réponds. Vous avez 3 memberships pour prendre la formule qui vous plaît le plus. Vous avez le lien, c'est programmespark.com. Fermeture des inscriptions, 5 juillet, c'est une fois par an et c'est maintenant. Cinquième point, et j'adore parler de ce programme Spark, c'est mon bébé, et vous aurez toujours des étudiants, des gradués de ce programme Spark depuis 2013, issus de 70 pays dans le monde, c'est des dizaines de milliers qui vont venir vous expliquer ce qu'ils ont vécu dans ce programme. Assurément, vous aurez des témoignages et des commentaires comme ça, toujours. Et c'est eux qui parlent mieux de ce programme que moi. Cinquième point, apprendre à gérer votre temps. Cinquième point, apprendre à gérer votre temps. Je répète pour les retardataires, cinquième point, apprendre à gérer votre temps. Apprendre à planifier votre temps. Apprendre à organiser votre vie. Cinquième point, apprendre à gérer votre temps, organiser votre vie, planifier votre quotidien.
Annabelle, tu as fait la session 2019, c'est génial. Cinquième point, et si vous êtes des diplômés du programme Spark, laissez des messages, dites-nous ce que le programme Spark vous a apporté, dites-nous ce que le programme Spark vous a permis de faire dans votre vie, et pour quelle raison les petits bleus qui m'écoutent en ce moment, c'est péjoratif, pas du tout, hein, c'est gentil, que tous les gens qui ne connaissent pas le programme Spark lisent vos commentaires, pourquoi on devrait faire le programme Spark, pourquoi la nouvelle cohorte est importante. Pourquoi les gens devraient venir au programme Spark? Si vous êtes diplômé du programme Spark, laissez des commentaires pour que les petits nouveaux sachent ce que ça vous a apporté. Pourquoi je dois faire le programme Spark? Laissez ça en commentaire. Cinquième point donc, gérer votre temps. Vous devez apprendre à gérer votre temps. Pour cela, j'ai mis au point ma propre méthode de gestion de mes entreprises. Je vous ai dit, j'en ai une dizaine en tant qu'actionnaire principal. On va dire d'abord presque unique, et puis une bonne trentaine où j'ai des billes dedans. Je vous l'ai dit, je suis marié depuis septembre 2000, donc ça fait 21 ans que je suis marié. On s'est connu avec ma femme 2 ans avant, donc ça fait 23 ans que je suis avec la même femme. J'arrive à avoir un couple épanoui, j'ai 2 enfants, je vis entre Montréal, Miami en Floride et les Caraïbes françaises. Je fais des conférences dans le monde entier. Comment je fais? Est-ce que j'arrive à dormir la nuit? Oui, oui. Et comment j'arrive à avoir cette énergie? Eh bien, tout simplement parce que je sais gérer, organiser, planifier ma vie, gérer mon temps. Je sais gérer cela. Si vous cherchez à savoir quelle est ma méthode pour gérer mon temps, j'utilise l'agenda 110. On l'appelle comme ça. agenda110toutattaché.com. Donc vous allez sur agenda110.com, tout attaché au singulier, agenda110.com, et vous verrez de quelle façon je gère, avec quel type d'agenda stratégique je gère mes journées. Vous pourrez le recevoir par la poste chez vous ou trouver votre méthode à vous. Moi j'ai la mienne et je la partage. Ok? Cinquième point, et dans Spark on va vous aider aussi à gérer votre temps et notamment vos priorités en sachant qui vous êtes. Quand tu sais qui tu sais dire non. Et pour savoir dire non, il faut oser dire non. Il faut savoir se connaître, avoir de la clarté dans votre mental, et c'est ce qu'on va vous dire dans Spark. Sixième, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, sixième, oui, sixième outil. Sixième outil, 6. Le sixième outil, vous allez me détester. Le sixième outil, leader, entrepreneur, écoutez-moi bien. Regardez bien, ce que je vais faire dans un instant va vous choquer. J'espère qu'il n'y a pas des enfants et ça va vous choquer. Regardez bien ce que je vais faire, ça va vous choquer. Le sixième conseil, je vais d'abord vous montrer ce que c'est. Attention, ça va aller très vite. Mettez-moi d'abord des petits j'aime, mettez-moi des likes et partagez ce direct. Sixième point. Regardez bien, le sixième point, c'est ça. Attendez, le deuxième geste, il arrive. Je reprends. Je refais le geste. Le sixième conseil, c'est arrêter la procrastination, enlever le poil qui est dans votre main ou la plume dans vos fesses. Mets-toi en marche. Tu veux réussir, mais. J'aimerais, mais. Je voudrais, mais. Le programme Spark est super, mais j'ai pas d'argent, mais j'ai pas de temps, mais j'ai pas d'énergie. Fais-en une priorité. Mets-toi en marche. Stop la procrastination. Décolle tes fesses de la chaise et du canapé. Stop le farniente. Stop la procrastination. Arrête de reporter au lendemain le poil dans la main. Vire-moi ce poil dans ta main. Et personne ne le fera à ta place. Et dans le programme Spark, pendant 7 mois, je te mets tellement de coups de pied aux fesses, mon ami. Je t'en mets tellement dans les fesses des coups de pied que tu vas réussir. Et ça, ça vaut le coup de rentrer dans le programme Spark et d'y mettre un peu d'énergie, un peu de temps, 5 à 10 minutes par jour, et un peu d'argent.
Tu as besoin d'une méthode qui a été testée par des dizaines de milliers de personnes graduées, diplômées de ce programme Spark depuis 2013 dans plus de 70 pays dans le monde. Et tu sais quoi, j'ai oublié de te le dire, dès que tu rentres dans le programme Spark, je te mets en relation avec tous les gradués, tous les diplômés mondiaux du programme Spark depuis 2013, avec qui tu vas pouvoir discuter, partager, ne plus te sentir seul. Mais enlève-moi ce poil dans la main! Enlève-moi ce poil dans la main. J'aimerais, mais oh, je suis fatigué. C'est trop dur de se lever de bonne heure. Come on, what? Je peux pas. What? Je voudrais, mais what? C'est plus facile pour les autres. What? Dès que tu entends ça, tu dis what? What? Je veux même pas entendre l'excuse. J'aimerais acheter le programme Spark, mais what? Je veux même pas entendre. Arrête tes conneries. Mon gamin, il a 15 ans, il gagne des milliers d'euros avec son e-commerce, il a 15 ans. Et à 77 balles par mois, tu peux pas t'offrir Spark, le prix d'un restaurant? What? Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de trouver des excuses. Mon gamin a les revenus aujourd'hui de quelqu'un qui a 40 ans. Il a 15 ans. Et il fait comme moi le programme Spark chaque année. Parce que le programme Spark, je l'ai d'abord créé à l'origine pour moi. Pour rester au top chaque année. Et je le refais chaque année. Et c'est mon métier depuis 25 ans. T'imagines, t'en as certains qui vont dire « Oh ben moi, j'en ai pas besoin. Je peux me débrouiller tout seul. » Oui, ben tu vois où t'en es dans ta vie en ce moment, tout seul, sans outils. Tu sais ce que t'a coûté l'improvisation jusqu'à présent? Une fortune. Paye le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Aujourd'hui, je vole en jet privé avec ma famille. Pourquoi? La pandémie. Et je suis très content de leur offrir des transports privés. Aujourd'hui, je m'achète les voitures, les résidences secondaires ou les montres que je veux. Parce que j'ai payé le prix pendant des années. Et que grâce à mon immobilier, j'ai des revenus passifs ou d'autres entreprises dans lesquelles j'investis. Et je vais vous apprendre à faire ça dans le programme Spark Premium et Spark Business. Et je ne suis pas arrogant en vous disant cela. Je veux vous inspirer. Je ne veux pas vous intimider, vous comprenez? Je n'ai pas honte de ma réussite. Je suis discret, je ne suis pas secret. Je suis discret, je ne suis pas secret. Mes résidences secondaires, c'est d'une valeur de 11 millions d'euros, mes résidences secondaires. Et je les ai achetées, je les ai volées à quelqu'un. Parce que c'est mon truc de voyager, c'est mon truc d'être libre. Je vais quand même pas cacher ma réussite, j'en ai pas honte, j'ai volé personne, c'est pas tombé d'une chaise. Et c'est ça que je veux vous injecter dans la tête, c'est d'être fier de vous-même et d'arrêter d'avoir peur. On peut avoir un grand cœur et avoir de l'argent. On peut avoir un grand cœur et avoir plein d'énergie. On peut à la fois avoir plein d'énergie, avoir une famille unie et aimer ce que l'on fait. On vous a laissé entendre que les gens riches n'aimaient pas les gens. On vous a laissé entendre que les gens riches financièrement n'avaient pas de vrais amis. Que quand on a de l'argent, on est toujours malade. C'est faux. On peut tout avoir, mais avec du temps, de la patience, de l'énergie et en mettant de l'argent dans votre tête. Mais ça demande des efforts. Et c'est pour ça que je vous dis, payez le prix maintenant de l'effort. Payez le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Payez le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Et vous savez quoi? C'est tellement plus simple de se dire, oh, un resto de plus ou un resto de moins. C'est tellement plus simple de se dire finalement, c'est pas fait pour moi. Et d'aller au restaurant. On verra plus tard. On n'a qu'une vie. Autant en profiter. En profiter. 97% des gens à la retraite dépendent de l'État ou de leur famille pour survivre. Alors tu vas me dire, mais la retraite c'est fait pour ça, on a cotisé et on gagne. Non, non, à la retraite, tu ne vas pas vivre. Les premières années peut-être, mais avec l'augmentation du pouvoir d'achat constant et les plus de 15 ans que tu vas passer à la retraite. Dans les années 50 ou au début du 19e siècle, tu passais 2 ans à la retraite ou tu n'avais jamais de retraite. Aujourd'hui, tu peux passer 20 ans à la retraite. Et dans quel état tu vas vivre pendant 20 ans? Oh, il faut bien profiter de la vie. Quoi? Pendant que tu avais plein d'énergie, tu étais dans l'oisiveté, la peur, la crainte, la procrastination et le choix du divertissement. Et maintenant tu dis quoi? Tu dis que tu es dans l'embarras parce que tu dépends de ta pension pour survivre. Tu ne vis pas à la retraite, la plupart des gens ne vivent pas à la retraite. Ils n'ont pas des retraites de gens confortables, ils n'ont peut-être pas des gens qui les aident chez eux, ou des maisons de retraite privées, ou des résidences privées avec quelqu'un qui vient les aider.
C'est dur. Vous avez été dans une maison de retraite, vous? Hormis le fait que ça sente le pipi la plupart du temps. Vous savez comment on a traité les personnes âgées dans le public? Et même des fois dans le privé, c'est catastrophique. Pendant cette pandémie, vous voulez voir comment on a traité les personnes âgées? Vous voulez en faire partie? À l'âge de 70 ans, vous savez que vous allez y arriver. Mais vous n'y pensez pas. On verra bien. J'aurais aimé avoir un mec comme moi, avec un programme comme le programme Spark à mon âge, qui partage tout son savoir. Et tout le savoir se paye. Vous êtes d'accord que tout travail mérite salaire? Et déjà, je travaille 80% gratuitement, en vous inspirant comme maintenant, avec beaucoup de conseils toute l'année. C'est de l'inspiration, c'est pas des méthodes, je reconnais, mais je suis présent. Vous travaillez 80% gratuitement, vous? Moi, je sais ce que je fais. Donc certains vont dire, la vie c'est maintenant, oui, mais tu veux vivre aussi à 60 et 70 ans. Est-ce que tu pourras vivre à 60 et 70 ans la vie que tu veux vraiment? Ne soyez pas comme des chiens et des chats, et j'aime les animaux, je suis monsieur, madame, je suis monsieur animaux. J'ai toujours aimé les chiens, les chats, tous les animaux je les aime. Mais un chien, un chat, il est incapable de se projeter demain ou de penser à hier. C'est le quotidien, manger pipi caca et câlin. Vous n'êtes pas des animaux, vous êtes bien plus intelligents. Pensez à demain. Donc, le conseil 1, 2, 3, 4, 5, 6, où j'en étais au conseil 6. Le conseil 6, arrêtez de procrastiner, mettez-vous en mouvement. C'est le plus beau conseil, mon ami, que je peux te donner. Et t'es pas ici, à ce stade de mon direct, par hasard. Vraiment pas par hasard. Alors continue de te mentir, ça ne changera pas ma vie parce que ma vie va très bien. Parce que tout ce que j'apprends dans le programme Spark, eh bien je l'applique dans ma vie. Ça a changé ma vie, le coaching, le leadership et l'entrepreneurship. Ça a changé la vie de dizaines de milliers de participants dans 70 pays. Et je suis persuadé que si tu es là par hasard, ça va aussi te permettre d'atteindre tes projets, tes objectifs. Septième conseil qui paye. Je vois qu'il y a beaucoup d'ailleurs de diplômés du programme Spark. C'est super les copains, laissez des témoignages et peut-être que les gens en direct vont vous poser des questions directement. Septième point. Soyez consistant. Septième point. Soyez consistant et persévérant. Ne lâchez pas maintenant. Le septième conseil, c'est persévérer, consistant. C'est plutôt de l'anglais « being consistent ». Mais là, je dirais plutôt « soyez persévérant ». Le septième conseil, si vous voulez l'écrire, de ce Sparkle Show spécial « Jardin de Franck Nicolas ». Et tu as vu que je suis quand même un privilégié de la vie d'être en centre-ville de Montréal, une maison de ville, hein, avec un immense jardin, avec des arbres matures derrière moi. Certains vont dire c'est de la chance. Moi, je vais leur dire, j'ai payé le prix avant. J'ai payé le prix. Paye le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Septième point, être persévérance. Comme un pitbull qui a un os dans la bouche, tu lâches pas, t'abandonnes pas. Tu lâches pas et t'abandonnes pas. Tu lâches pas et t'abandonnes pas. Et enfin, huitième conseil. Le huitième conseil, les amis. Le huitième conseil. Huitième conseil. Soyez patient. Huitième conseil, soyez patient. L'une des plus belles qualités d'un leader, qu'il s'agisse d'un entrepreneur, d'un papa, d'une maman, peu importe qui vous êtes, mais si vous voulez réussir, et je ne sais pas ce que veut dire pour vous le mot réussite, il y a autant d'êtres humains sur la planète que de définition de la réussite. Même le mot réussite peut être galvaudé pour certains. Ça veut peut-être dire gourou, ça veut peut-être dire manipulation, ça veut peut-être dire c'est ringard, c'est dépasser la réussite, ça veut rien dire, c'est ridicule. Rien que le mot réussite veut dire plein de choses dans la bouche des gens et dans l'esprit des gens. Mais si vous voulez réussir à votre façon, soyez patient et notez ce que je vais vous dire. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an
et sous-estiment le leader qu'ils peuvent devenir en 10 ans. En 10 ans, tu peux devenir violoniste. En 10 ans, tu peux devenir ceinture noire de karaté. En 10 ans, tu peux totaliser tes 5 à 10 millions de chiffre d'affaires. En 10 ans, tu peux avoir fondé une famille. En 10 ans, tu peux avoir une santé exemplaire sans aucune rechute. Alors retenez une nouvelle fois cette expression. Pour ce conseil numéro 8 qui est être patient. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et sous-estiment le leader qu'ils peuvent devenir en 10 ans. En un an, je veux perdre du poids, créer une entreprise, devenir millionnaire, trouver l'homme et la femme de ma vie, changer de ville, changer de pays et apprendre à faire du violon et devenir numéro 1 dans ma catégorie. Hein? What? Dites-le avec moi. What? Écrivez-moi ça. What? What? Tu veux tout faire? Oui, je vais tout faire en un an. Bonne année, bonne santé. Et ensuite, il se murge avec du champagne ou avec du vin, meilleur marché. Chaque année, dans la nuit du 31 au 1er janvier, c'est pas des résolutions que vous entendez. C'est des vœux sans consistance. Bonne année, bonne santé, va chier. Mais les gens n'ont pas envie vraiment de réussir. Ils font des vœux, des souhaits, sans aucun engagement. Je t'aime, va chier, montre-moi que tu m'aimes. Le dis pas, montre-le-moi que tu m'aimes. Pour moi, c'est important la famille, montre-le. Pour moi, je vais perdre du poids, montre-le, fais-le. Oui, mais je sais pas comment faire. Ah. Et c'est là où je peux vous aider dans le programme Spark. Comme on dit au Québec, joindre les bottines aux babines. En fait, c'est passer à l'action, pas juste dire. Alors voilà les amis, c'était ce Weekend Spark spécial Jardin Franck Nicolas. Dans un instant, vos questions. On prend 5 minutes pour y répondre. Mais quand vous entendez « je veux tout faire en un an », vous faites « what ? What ?» J'ai une très belle surprise à vous annoncer aujourd'hui. Sachez que c'est ce vendredi, peut-être en direct, je vous le rappelle. Si vous venez de nous rejoindre, ce vendredi, on est en direct pour une conférence extraordinaire. Conférence extraordinaire ce vendredi. Notez bien ce vendredi. Ce vendredi, yeah baby! Ce vendredi, on est en direct, les amis. Ce vendredi 25 juin. Vendredi 25 juin. Ce vendredi 25 juin. 14h, heure de Montréal. 20h, heure de Paris. Désolé pour ceux qui ont piscine, football ou Netflix. C'est une question de choix à la vie, je vous l'ai dit. Ce vendredi 25 juin, 14h, heure de Montréal. 20h, heure de Paris. Grande conférence internationale. La troisième et la dernière gratuite extraite du programme Spark. Le programme Spark, on vous a offert 3 conférences. C'est la troisième demain. Troisième conférence demain. Je ne pourrais pas dire, on a été radin. On ne vous a pas donné des explications sur ce que pouvait vous apporter le programme Spark. Je réponds encore une nouvelle fois à vos questions dans un instant. Et c'est la troisième et dernière conférence demain, digitale, en direct, 60 minutes. Demain, 25 juin, 14h Montréal, 20h Paris. Pour vous inscrire, vous allez sur sommetspark.com/rebondir. Ça s'appelle rebondir. Donc je vous l'écris ici, parce que je sais que mes équipes ne travaillent pas aujourd'hui. Elles ont un repos bien mérité, évidemment. Alors, comme il y a quelque chose qui est ancré, je n'arrive pas à l'écrire. Donc, regardez sur ma page YouTube ou Facebook, vous aurez tous les liens. Ça s'appelle « Rebondir la conférence », c'est ce vendredi. Et j'aurai comme invité, écoutez-moi bien, et c'est moi qui finance tout, hein, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. On aura comme invité l'auteur du livre international « Al Elrod ». On aura l'auteur du livre, vous avez bien entendu, du coach américain numéro 1 en organisation et en planification. On aura le coach numéro 1 auteur du livre best-seller Miracle Morning. Si vous connaissez Miracle Morning, c'est l'auteur de ce livre traduit en plus de 30 langues dans le monde demain en direct avec nous. Cette entrevue, je vous la diffuse demain en direct et elle sera traduite en
français et en simultané, et c'est nous qui finançons la totalité. Ça vous coûte rien. Donc soyez présentes et présents demain. Dernière conférence gratuite. Dernière conférence gratuite demain, 14h Montréal, 20h heure de Paris. Je ne peux pas vous marquer le lien parce que mon équipe aujourd'hui ne travaille pas, désolé. Donc prenez cela, sommetspark.com. Alors le Sommet Spark, c'est un extrait du programme Spark. Le Sommet Spark, ce n'est pas le programme Spark. C'est un extrait gratuit du programme Spark, le Sommet Spark. D'accord ? Et dans ce cadre gratuit, vous allez sur sommetspark.com/rebondir. sommetspark.com/rebondir. Et on vous a noté quelques... Certains d'entre vous ont noté tout cela dessous. Le lien sommetspark.com/rebondir. Demain, en direct. Pour celles et ceux qui ont vraiment faim, si vous avez vraiment faim, maintenant, je vais répondre à vos questions sur le programme Spark. Les piscines seront fermées, génial. Je réponds à vos questions sur le programme Spark maintenant. Tu es déjà inscrite, génial, félicitations. Donc, si vous avez des questions sur le programme Spark, posez-les maintenant pour celles et ceux qui sont les plus intéressés, les plus engagés. Les autres, allez voir Netflix. D'accord ? Très bien. Le programme Spark, oui, le programme Spark, vous avez 3 memberships. Pour qui est fait le programme Spark ? 3 memberships. Vous avez Spark Leadership, membership numéro 1, forfait numéro 1. Le forfait numéro 2, on l'a appelé Spark Premium. Et le forfait numéro 3, on l'a appelé Spark Business. Il y a un Spark pour chacun d'entre vous. Il y a un Spark pour chacun d'entre vous. Il y a un Spark pour chacun d'entre vous. Le Spark Leadership, c'est pour tout le monde qui veut développer sa psychologie de leadership, ses relations, sa santé, son énergie et faire partie d'une communauté. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, Spark Leadership pour tout le monde. L'investissement, c'est le prix d'un restaurant une fois par mois, pas plus. Le deuxième membership, il s'appelle Spark Premium. Pour qui est fait Spark Premium ? Il est fait pour les gens qui font du MLM, pour les gens qui sont auto-entrepreneurs, pour les gens qui sont coach, conférencier, formateur, infopreneur, artiste, ou les employés qui veulent développer un complément de revenus en gardant leur salariat et en créant un petit site internet pour gagner 1000 de plus par mois ou 100 000 de plus par mois. Spark Premium, c'est fait pour vous. Et ensuite, le troisième membership qui est fait pour les sérieux joueurs, on l'a appelé Spark Business. C'est pour les gens qui veulent dépasser le million de chiffre d'affaires et qui veulent embaucher une équipe. Et qui veulent avoir une entreprise internationale ou locale et de grande ampleur. Et pas juste 100 000 ou 50 000 de chiffre d'affaires chaque année. Et Spark Business, je vous donne tous les éléments pour réussir, quel que soit votre âge. Absolument, il n'y a pas d'âge aujourd'hui pour faire le programme Spark. Il y a un programme Spark pour tout le monde. D'accord ? Donc voilà, pour répondre à la question, pour qui est fait le programme Spark ? Et c'était votre principale question aujourd'hui. Je vois que ça s'adresse à la plupart des gens qui m'écoutent. Donc, allez maintenant voir cette page. Prenez 5 minutes. Allez sur programmespark.com. Programmespark.com et choisissez le membership qui vous colle à la peau. Mais tout le monde peut faire le programme Spark. Vous faites du babysitting, vous gardez des enfants, vous payez votre programme Spark. Tout le monde, c'est une question de choix. Tout le monde peut faire ce programme, tout le monde peut briser l'isolement et tout le monde peut partir de zéro. Ça va pour tout le monde ? J'ai répondu aux questions. Parfait. Alors, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve ce vendredi en direct de Montréal. Et puis, pour celles et ceux qui me demandent souvent quelle formation, quel niveau de formation il faut pour faire la formation Spark, niveau d'études, il n'y a pas de niveau d'études pour faire le programme Spark. Il y a juste l'envie de réussir, juste l'engagement. Il n'y a pas de diplôme à avoir.
Ce sont des vidéos pratiques. Exactement. Si vous avez aimé la façon dont je vous ai parlé dans ce Sparkle Show, vous allez adorer le programme Spark. C'est simple, c'est synthétique, ce sont des vidéos. Vous avez accès aux vidéos pendant toute la durée de Spark, c'est-à-dire 13 mois. Et c'est juste un peu de temps de 5 à 10 minutes par jour, pas plus. Tout le monde peut s'offrir le programme Spark. Tout le monde peut financer ce programme Spark. Mais il faut que tu aies faim, baby. Et si tu as faim de réussite, j'ai ce qu'il te faut.